C'était close. Alors. Sale pief. Tac. Donc, cet endroit c'est rempli de pièges. Je vais vous en montrer un classique. Voilà, là il y a un piège. Juste ici. Je vais vous montrer. Voilà. Donc je vous déconseille de vous le prendre. One shot, littéralement. Il y en a plusieurs comme ça partout. Il y a des trous. Il y a des trucs qui s'effondrent, etc. Tac. Allez, tu te calmes, tu prends ma vie, tu dégages. Merci pour ça. Tac. Ok, il y a un chat qui va dans le feu, très intelligent de sa part. Ok, le chien est mort. Très intelligent. Je les attire un par un. Allez les chiens, ramène-toi. Ils sont sérieux les chiens. Oh, cette esquive. Ok. Ok. Parfait. C'est la première zone de la du jeu où on peut vraiment farmer de manière très simple. Parce que ça donne beaucoup d'écho de sang. C'est vraiment pas dégueu quoi. Vous avez pas encore vu le meilleur. Alors. Tac. Ah, typique piège. Voilà. Tac 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 tac. Alors encore un, mais celui-là j'ai pas les temps parce qu'il est assez désagréable. Ici il y a une porte. Juste là. Que je peux activer que de l'autre côté, que je le ferai dès que je peux pour le raccourci. Parfait. Bon, ces endroits là en fait ne servent pas. Oh, là il y a un piège, vous voyez, ça ne sert pas à grand chose parce que je dois aller par là en fait, donc je vais directement aller par là. Ça il faut pas rester, je suis dans l'huile, là je suis dans de l'essence si vous voulez, donc il y a des gens qui me balancent des trucs et le feu se propage évidemment. Donc si je reste dedans c'est la merde. Aïe. Là par contre je comprends pas. Là par contre j'ai arrêté de frapper et continue. Oh là j'ai vraiment fait des bons timings là. Là c'était très close. Je vais frapper à la régulière. Je sais pas pourquoi je me casse le cul pour rien. Ça n'a vraiment aucun sens ce que je fais. Putain, que ça me casse les couilles! Fais chier! Fais chier, fais chier, fais chier!
chier, fais chier, fais chier. Oh, putain, j'ai chié dans la colle. Je l'ai tué, tant mieux. Ok. Par là. Du coup, suite par là. On continue. Par là. Je vous l'ai dit, hein, c'est je rush. Je rêve ou... C'est ce qui me semblait, hein. J'avais oublié de trouver le raccourci, comme un con. Donc j'avais été chercher les objets. Celui qui a mes âmes. C'est celui qui m'a tué, mais celui qui a mes âmes. Donc, meurs. On le voit avec ses yeux qui brillent. Ok. Merci. On va arrêter de faire des cocons, on va jouer de manière safe. Ok, d'accord, toi tu vas le regretter. On lui va vraiment le regretter. Voilà. J'utilise un petit carillon, on sait jamais quelqu'un va venir m'aider. Là, il y a un canon. Dégage. Ok, se dégage. Ton Rax. C'est ton Rax. Comment ça, je l'ai raté? Je vais pas le laisser se transformer. En tout cas, le plus tard possible. Si je le laisse faire, voilà, il se transforme en mec avec des serpents sur la tête et très fort. C'est vraiment fort. Mais je l'en ai empêché. Alors. Donc c'est là que je dois aller. Donc je vais tout de suite faire d'abord un truc. C'est. Ça, c'est sûr. Je dois aller par là-bas. Oh le tapis. Inch'Allah. C'est pas ici que je dois aller, hein, mais. Je ne fais que très rarement ici, parce que c'est. Généralement, maintenant, à chaque fois que je refais les parties, je fais que les zones indispensables. Là, c'est pour avoir un objet qui peut être intéressant. Déjà ça, je prends. Ça c'est nul. Ça je m'en fous complètement par contre. Et voilà l'endroit le. Cet endroit est très dangereux. Je dirais pas. Mais... En gros, vous voyez celui-là?
C'est un boss caché, entre guillemets. Well, blimey, don't scare me like that. On a night like this, I took you for a monster. Oh, thank the stars, you're fairly normal. You put down that awful beast. Ooh, that thing had me trembling, frozen in my boots. And then you came along. Well, if you're a hunter, then would you know of any safe havens? Oh yeah, of course not. I should have known. Vous allez comprendre. Have you got a screw loose? Oh. Vous voyez, je ne lui fais aucun dégât, ce n'est pas une blague. Et il a des attaques, et ses attaques font de l'électricité à longue distance. Ça j'évite. Bon, je pense qu'il est temps de se tuer avec des trucs chiants. Genre ça. Couteau empoisonné. Couteau empoisonné. Couteau empoisonné. Donc là il est empoisonné, il est en train de passer les petits à petit. Couteau empoisonné dans la gueule. Je l'ai vu venir. Franchement, il est trop classe. Et je sais que là vous pensez, vous dites que je joue en mode petit bit, et bah oui, je joue en mode petit bit parce que je peux rien faire aussi. C'est vraiment le boss que je n'ai jamais. J'ai fini le jeu un nombre. Franchement, j'ai fini le jeu je ne sais combien de fois. Et je n'ai jamais réussi à battre ce boss à la régulière. Jamais. Putain, qu'est-ce que je peux faire maintenant? On est tous des monstres ignobles. Bon bah excusez-moi mais j'étais un peu fou. Ce monstre est assez particulier. Je ne dis pas ce que... Ok. Maintenant on va faire ça. On va aller chercher cet objet là qui est super important. Enfin important, qui est très intéressant. Tac. Regarde-moi ça. Canon. Close. Tac. Et tac. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Bon, on a tué un mini boss, c'est cool, c'est cool.